Il primo intervento del pomeriggio è il nostro ospite straniero, come dicevano stamattina gli organizzatori, questo convegno ha una dimensione, ha sempre avuto fin dall'inizio, questa serie di convegni hanno avuto sempre una dimensione internazionale che quest'anno è rappresentata dal professor Daniel Pennac, che voi tutti conoscete, credo che sia una di quelle persone di cui si può dire senza paura di essere così banali che non ha bisogno di presentazioni. Vorrei solo dire due cose rapidissime. In un convegno che ha sempre avuto e ha anche quest'anno un taglio scientifico, il professor Pennac non è qui come esperto di dislessia, è qui per portare una sua testimonianza, una testimonianza io direi non solo di autore, che noi conosciamo come autore di numerosi romanzi che molti di noi avranno sicuramente letto e che hanno allietato i nostri momenti di lettura, ma qui anche come studente e soprattutto come insegnante. Quindi il cattivo studente che è diventato un ottimo scrittore, ma che è comunque nella sua vita ha avuto questa fondamentale esperienza di insegnante, inglobando quella precedente di studente e coniugandola poi con quella di scrittore. Quindi in questo mio modo di vedere, che spero possa dare così anche una chiave per la lettura di quello che Pennac ci dirà. Non gli rubo del tempo, lo lascio introdurre le sue riflessioni per poi lasciare spazio a domande che raccoglieremo dal pubblico. Prego. Buongiorno. A tutti. Mi dispiace di non parlare l'italiano, ma vous avez dans vos oreilles, les oreillettes, la voix de Roberta, qui est une beaucoup plus jolie voix que la mienne. Je ne sais pas exactement ce que vous attendez de moi. En général, quand je rencontre des étudiants et des professeurs, je réponds aux questions qu'on me pose. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui encore. Ça veut dire, vous avez le droit de me poser toutes les questions qui vous passent par la tête et je vous répondrai tout ce qui me passe par la tête. Je vais juste en finir une fois pour toutes, pour commencer. En finir une fois pour toutes avec le thème du Somaro qui a réussi. Je n'avais jamais entendu parler de ce thème avant d'avoir écrit Chagrin d'école, Diario di scuola. Et puis le jour où est sorti Chagrin d'école, je n'ai plus entendu que ça, le Somaro qui a réussi. Cet oxymore, le Somaro qui a réussi, n'a tout simplement pas de sens. Il veut simplement dire que nous ne sommes pas prisonniers de notre enfance. Un point, c'est tout. Si nous étions prisonniers de notre enfance, la plupart de nos vies seraient absolument catastrophiques. Par bonheur, nous ne sommes pas prisonniers de notre enfance, et ça s'appelle l'évolution.
on change. J'étais, je crois, simplement un enfant plus lent que les autres, plus inhibé que les autres. Les raisons pour lesquelles j'étais plus lent et plus inhibé que les autres n'ont au fond pas beaucoup d'intérêt. L'intérêt, c'est que s'est-il passé ensuite pour que je ne reste pas ce que j'étais. Ce qui s'est passé ensuite, je le dois en partie à des gens comme vous, à des professeurs. Dans notre scolarité secondaire, de la troisième à la terminale, troisième, seconde, première, terminale, même sixième, cinquième, quatrième, troisième, seconde, première, terminale, nous rencontrons à peu près 40 à 50 professeurs. Sur ces 50 professeurs, 4 m'ont sauvé, à peu près 10%. C'est une proportion raisonnable. J'aurais préféré qu'ils arrivent au début de ma scolarité. Malheureusement, ils sont arrivés à la fin de ma scolarité. Et voilà, en gros, l'introduction de ma vie. Pour le reste, j'ai été professeur, je suis écrivain. Quand j'y pense, ça ne me paraît pas avoir de rapport direct avec ce que fut mon enfance et mon adolescence. La seule chose qui est un rapport direct entre l'élève que j'ai été et le professeur que j'ai été, c'est que ce professeur avait une connaissance supérieure, pas supérieure, avait une connaissance de plus à l'ensemble des connaissances qui structuraient ses collègues, les autres professeurs. Mes collègues avaient été d'anciens bons élèves. Ils ne savaient pas ce qu'était l'échec scolaire. Par conséquent, il aurait été extrêmement difficile d'imaginer ce que pouvait ressentir un mauvais élève. Moi, par bonheur pédagogique, j'ai été un mauvais élève. C'est-à-dire, j'avais peur, j'étais totalement inhibé par rapport aux questions qu'on me posait, je ne voulais pas répondre. J'étais absolument persuadé que j'étais un crétin total, un imbécile absolu, puisque les adultes me le disaient. Puisque 90% des adultes me le disaient parmi mes professeurs. Et donc j'ai ressenti, j'ai éprouvé la douleur du complexe, le désir de vengeance, la mesquinerie dans le désir de vengeance, enfin, l'ensemble des choses qu'un enfant peut éprouver dans ce monde. Et quand je suis devenu professeur, je savais très bien ce qu'éprouvait parmi mes élèves, les plus mauvais d'entre eux. Et j'ai donc fait en sorte qu'ils ne l'éprouvent pas. J'ai orienté ma pédagogie de façon à sauver, d'une certaine façon, mes plus mauvais élèves, de les sauver d'eux-mêmes. Voilà en gros l'introduction très générale. Et maintenant, je peux répondre à toutes les questions que vous voulez, de quel ordre qu'elles soient. Question d'abord, est-ce que vous avez tous des oreilles? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'oreillettes et qui ne me comprennent pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc,
tous ceux qui comprennent, vous avez des... Parce que on peut faire une traduction aussi... Bon, posez vos questions alors. Allons-y, je répondrai ce que je voudrais. Allora, le domande, cominciamo. La sala è così grande che non riesco a guardarla in un... senza girare la testa. Oui. Se c'è... Ecco. No, je voudrais comprendre comment est-il arrivé che, ayant des difficultés dans l'écriture, vous avez commencé à écrire avec passion. Et c'est aussi toujours, quand vous écrivez, vous pensez, mais j'ai encore certaines difficultés. Oui, la question de l'écriture, j'ai commencé à écrire très jeune, à 12 ans. Je lisais au dortoir, le soir, je lisais Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Très bien. Et je m'endormais sur mon livre. Le lendemain, en me réveillant, je n'avais pas le droit de lire ce livre en étude. On me l'aurait pris et les professeurs me l'auraient pris et ne me l'auraient pas rendu. C'était interdit. Ce qui est extraordinaire d'ailleurs pour les jeunes gens de votre génération, c'est qu'il ait existé une époque où à l'école, on n'ait pas le droit de lire. Ça, c'est quand je dis ça à des jeunes gens d'aujourd'hui, ils disent « Oh, t'es formidable !» Donc, comme j'avais envie de continuer à lire, pendant l'étude du matin, où j'étais censé apprendre mes leçons et faire mes devoirs, j'écrivais, ce qui me donnait, ce qui faisait qu'on croyait que je travaillais. Pas du tout. Je racontais la suite de ce que j'avais lu le soir au dortoir, la suite du livre que j'avais lu. Alors j'écrivais. Le soir, quand je rentrais au dortoir, je comparais ma version de la suite des Trois Mousquetaires à celle d'Alexandre Dumas, et celle d'Alexandre Dumas était un peu meilleure que la mienne. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Or, et c'est là que ça vous intéresse pédagogiquement, ce que j'écrivais était totalement dysorthographique. Je n'avais pas d'orthographe, et j'écrivais phonétiquement, mais je pouvais écrire phonétiquement 10, 15, 20, 30 pages. Ça ne me gênait pas. Ce qui fait, et là on arrive à la pédagogie, ce qui doit faire sauter chez vous un verrou quant à la question de l'écriture, ce n'est pas parce que la copie que vous avez dans la main est bourrée de fautes que l'enfant qui a écrit cette copie est définitivement condamné pour l'écriture. Non, il écrit. Il écrit phonétiquement. Et si vous faites l'exercice suivant, que je vous recommande avec les petits-enfants, au lieu de le gronder, au lieu de dire « tu fais des fautes, c'est inadmissible », etc., etc., évitez en pédagogie toujours le jugement moral, il faut l'éviter. Il est pédagogiquement contre-productif. Évitez également la recherche des responsabilités. C'est la faute des parents, c'est la faute des professeurs, c'est la faute... La quête de responsabilité en matière pédagogique est contre-productive. En pédagogie, il n'y a que la pédagogie. Pour un professeur d'italien, ou pour un professeur de français, pour un professeur de mathématiques, ou pour un professeur d'histoire et de géographie, il n'y a que notre seul outil efficace, c'est le français, l'italien, les mathématiques, l'histoire-géographie. Exemple en français. Un élève fait un devoir absolument
illisible à première lecture. Très bien. Vous rendez, au lieu de gronder l'élève, vous rendez la copie à l'élève et vous lui dites « Roberto ». Voilà l'élève. « Roberto, dicte-moi ton texte, s'il te plaît. » Et vous allez avoir une immense surprise. Un texte qui vous paraissait à vous illisible, vous allez avoir un enfant qui va vous le dicter et qui, en le dictant, vous allez avoir l'impression d'un texte parfaitement normal. Vous allez au tableau et vous écrivez ce que vient de vous dicter cet enfant. Vous l'écrivez dans un italien correct, dans votre italien, ou moi, dans mon français. Une fois la dictée finie, une fois que Roberto a fini de vous dicter son texte, vous lui dites « Tu vois, c'est très bien ce que tu as fait. En français, ça s'écrit comme ça. En italien, ça s'écrit comme ça. Mais quand tu me l'as lu, j'ai entendu ton français. J'ai entendu ton italien. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que spontanément, alors qu'il est totalement dysorthographique, l'enfant a produit oralement des phrases grammaticalement structurées de façon correcte, ce qui vous a permis de transcrire le texte au tableau. Et pourtant, quand vous étiez vous devant cette copie, vous étiez absolument persuadé que ça n'avait aucun sens. Voilà l'exercice de base pour répondre à votre question. Voilà l'exercice de base qu'il faut faire avec un enfant dont nous sommes persuadés qu'il n'écrit pas. Il faut lui donner l'occasion de vous fournir la preuve du contraire. Il a écrit. Il a écrit dans sa langue. Sa langue est correctement structurée. Il y a une ou deux fautes de grammaire, mais sa langue est correctement structurée. Son orthographe est nulle, bourrée de fautes, mais les mots qu'il a prononcés sont bel et bien les mots qu'il a écrits. Et ce sont les mêmes que ceux que vous transcrivez dans le langage correct. À partir du moment où vous avez donné à un enfant l'occasion de faire cette expérience, cet enfant va vous considérer comme son professeur. C'est mon professeur d'italien. C'est mon professeur de français. Qu'est-ce que signifie cet adjectif possessif ? C'est mon professeur d'italien. C'est mon professeur de français. Cet adjectif possessif, quand l'enfant le dit à ses parents, « Mon professeur d'italien m'a dit... » Cet adjectif signifie « il y a entre lui et moi un rapport privilégié, un rapport de confidentialité, un rapport de réciprocité, un rapport d'affection, etc. etc. » Vous êtes son professeur. Il s'est approprié le professeur. Avec cet enfant-là, à partir de cet adjectif possessif, vous pouvez réussir tout ce que vous entreprendrez. À une seule condition, c'est de ne jamais déplacer le problème des difficultés scolaires sur le terrain moral. Jamais, sous aucun prétexte. Voilà, fin de la première question. La seconda domanda, volevo dire che se volete potete porre la domanda in italiano e poi verrà tradotta in francese al professor Pennac, che peraltro capisce l'italiano. Comunque, come preferite, se volete potete fare le domande in italiano. Ma io volevo fare una domanda a cui peraltro in parte ha già risposto, perché volevo chiederle come si era comportato con i suoi allievi peggiori. Dice, io sono riuscito con i miei allievi peggiori, ho già capito in parte perlomeno il tipo di rapporto. Comunque, sì.
Sì, se vuole aggiungere qualcosa. Sì. À part un assassin, il n'y a pas de pire élève. Je n'ai jamais vu un de mes élèves abattre son voisin d'un coup de pistolet. Donc le pire, pour moi, n'a pas beaucoup de sens. Il y a des élèves qui sont tout simplement habitués à l'échec. Si je vois pour la première fois cet élève, s'il a 15 ans ou 16 ans, et s'il est absolument nul, mon réflexe est de me dire, il a 16 ans, il est dans le secondaire depuis l'âge de 10 ans, ça fait donc 6 ans qu'il est habitué à l'échec. Ce qui pour lui ne signifie pas l'échec. Lui se dit, je suis un crétin, je suis un imbécile, c'est congénital, je n'y peux rien, c'est comme ça. Dans le meilleur des cas, il se dit ça. Dans le pire des cas, il se dit, l'institution scolaire est une abomination, mes professeurs sont des êtres néfastes. Les meilleurs de mes camarades, les meilleurs élèves, sont des jaunes qui collaborent, sont des collaborateurs. Je les déteste tous. Ça, c'est l'autre cas de figure. Avec ce cas de figure-ci, comme avec ce cas de figure précédent, qu'est-ce que j'ai à ma disposition ? Pour résoudre ces problèmes-là, alors qu'ils sont depuis si longtemps dans l'institution scolaire. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition ? La psychologie, elle ne me servira à rien. Je ne suis pas psychanalyste. Et de toute façon, il faudrait beaucoup plus que l'année scolaire pour régler le problème psychologique. La sociologie, me dire « Ah, c'est pas de sa faute, c'est un pauvre garçon qui vient du lumpenprolétariat, etc. » J'ai l'exemple à côté d'une fille qui vient du lumpenprolétariat et qui marche très bien. La sociologie ne me sert à rien. comment dire ? Une espèce d'anthropologie des valeurs distributives dit « Oh, ben c'est comme ça. Il fait partie d'un pourcentage, le pourcentage de ceux qui ne réussissent pas. Et les autres font partie. » Ça. C'est évidemment exclu de mon système de jugement pédagogique. Qu'est-ce que j'ai ? L'affect, dire « il n'est pas assez aimé, je vais l'aimer », je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour distribuer une affection qui n'aurait pas été distribuée par la famille, qui n'aurait pas été distribuée. Ce n'est pas mon rayon non plus. Qu'est-ce qui me reste ? Le français, la littérature. Et comment est-ce que, par le biais du français, par le biais de la littérature, par le biais de la grammaire, je vais pouvoir entrer dans cette forteresse ? Parce que c'est une forteresse, maintenant, qui résiste, entièrement barricadée. Eh bien, en faisant en sorte que ce que je vais lui lire à voix haute, les romans que je vais lui lire, les nouvelles que j'ai lues, lui parle, entre par une petite fenêtre de la forteresse. Ce que je vais lui expliquer grammaticalement éveille le début d'un désir de structure dans sa tête. Et c'est possible. Exemple. L'élève me dit, c'est ce que j'ai écrit dans, là, je vais aller vite parce que c'est ce que j'ai écrit dans chacun d'école, mais c'est vraiment ce que j'ai fait avec mes élèves. L'élève me dit, je n'y arriverai jamais. En français, je n'y arriverai jamais, il y a je, le pronom, n, la négation, y, le pronom adverbial, arriverai jamais. Question, c'est
qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que tu y arriveras jamais, mais qu'est-ce que c'est ce Y? Et on va parler, lui et moi, du mot qui a le moins de sens dans cette phrase. Je, on voit ce que c'est. Arriver, on voit ce que c'est. Jamais, on voit ce que c'est. La négation, on voit ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est que ce Y? Et à partir de là va s'établir une conversation qui, en apparence, est une conversation sociale. Ben, ça veut dire que je ne serai jamais un bon élève. Ah, c'est ça, Y. Y, c'est bon élève. D'accord. Oui, et puis, etc. Et petit à petit, ce pronom grammatical, ce pronom impersonnel, va se charger de tout le sens qu'il a en lui. Vous savez, Y, tous nos pronoms, vous en avez aussi en italien, tous nos pronoms adverbiaux, nos pronoms personnels, qu'est-ce que c'est? C'est le fond de commerce de la psychanalyse. Quand un psychanalyste reçoit un patient, que le patient s'allonge sur son divan et qui lui dit « Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. » Le sens n'est pas dans le verbe « pouvoir ». Le sens n'est pas dans le « je », c'est le sens dans ce « en ». Qu'est-ce que c'est que ce « en » qui n'a aucun sens? Et avec mes plus mauvais élèves, comme vous disiez tout à l'heure, nous nous sommes toujours amusés à reconstruire le bastion de la grammaire, l'édifice de la grammaire, en commençant par ce qui apparemment avait le moins de sens. Pronoms impersonnels, pronoms adverbiaux, etc. Et en parlant entre nous beaucoup, jusqu'à en faire un objet de plaisanterie, et à partir de là s'établit une communication, et cette communication est d'ordre intellectuel. Et l'enfant qui depuis 6 ans est en échec, avec lequel vous établissez une communication d'ordre intellectuel, d'une certaine façon, est en train de prendre immédiatement confiance en lui. Il devient un interlocuteur. Et le professeur, il le considère comme un interlocuteur. Pas comme un interlocuteur ludique, pas comme un interlocuteur politique, pas comme un interlocuteur idéologique, etc. Non, un interlocuteur grammatical, et petit à petit l'enfant ou l'adolescent s'aperçoit que ce que jusqu'à présent il avait appelé grammaire, la grammaire, on va encore faire de la grammaire, monsieur, on va faire de la grammaire. Et il s'aperçoit petit à petit que la grammaire n'est rien d'autre que la structure mentale à travers les croisements de laquelle s'organisent les phrases qu'il prononce. Et il sera enchanté de découvrir ça. Et une fois que je l'ai bien fatigué, parce que c'est fatigant, lui, il n'a pas l'habitude de se concentrer plus de 5 minutes. Donc au début, on en parle 5 minutes, ensuite 6 minutes, ensuite... Bon, une fois qu'il est bien fatigué, j'ai dit, bon, allez, on va faire un petit peu de lecture. Et je lis, très souvent d'ailleurs, une nouvelle de Buzzati. Et Buzzati, je lis, et ils sont contents, alors que les élèves italiens ne seraient pas contents qu'on leur lise des nouvelles de Buzzati, parce que Buzzati est au programme en Italie. Mais en France, non. Donc, quand je lis des nouvelles de Buzzati à des élèves français, ils sont ravis. Pareil pour Calvino. Quand je parle de Calvino aux étudiants italiens, ils disent « Oh, Calvino !» Mais quand je lis il Visconte di Mezzato à mes élèves, ils sont émerveillés. Donc, après ce petit moment de grammaire structurante, repos. Mais repos avec une lecture de Buzzati, de Calvin ou d'autres choses. Pendant cette lecture, il n'a pas l'habitude qu'on lui lise à voix haute. Il va se passer un phénomène assez souvent, pas toujours, mais assez souvent, un phénomène de régression
dû à la tranquillité de la lecture, à la confiance retrouvée, à « il va s'endormir ». Laissez-le dormir et continuez de lire pour les autres. Et quand il se réveillera, il vous dira « oh merde, je me suis endormi ». Tu dis « mais tiens, finis toi-même ». Et vous lui passez les livres pour qu'il le finisse. C'est des choses comme ça. Mais encore une fois, je n'ai pour régler ce genre de problème que ma matière. Le français, la littérature, la grammaire, la lexicologie, ce que vous voulez. Et à celui-ci, en matière de lexicologie, je vais lui dire, écoute, en orthographe, c'est pas foutu. Maintenant, tu arrives à raisonner grammaticalement. Pour le reste, apprends à te servir du dictionnaire. Et nous apprenons ensemble. Alors, c'est des jeux idiots. Hein, on cherche, je distribue, je ne sais pas, 30 dictionnaires. Et c'est qui va arriver le plus vite à tel mot, des choses comme ça. Ce dictionnaire, je l'ai, moi, aujourd'hui, à mon âge, toujours à côté de moi quand je travaille. Et il est ouvert. Sur un lutrin. Et c'est-à-dire que je pratique pour mon propre compte ce que j'apprends à mes élèves, utiliser le dictionnaire. Voilà, sur le pire. Et le... Ensuite, quand vous dites le pire des élèves, je peux avoir des élèves extrêmement violents physiquement. De deux choses l'une, ou cette violence relève de ma compétence, j'arrive à la calmer par les procédés dont je viens de vous parler, ou par d'autres procédés, je ne sais pas, en confiant à cet élève des responsabilités très précises, etc., etc. Ou nous sommes là devant un cas pathologique qui sont extrêmement rares. J'ai dû en avoir sur 3500 élèves, j'ai dû avoir une ou deux fois ce cas, qui relève d'une autre compétence que la mienne, qui relève directement de la compétence psychiatrique. Mais c'est très rare, très très rare. Peut-être que je vais mélanger français-italien. Je ne garantis pas d'arriver à la fin en français. Où êtes-vous? Ah, pardon. Ici, pardon. Posez la question en italien. Ah, ok. Le è capitato di parlare con la famiglia e di cercare di trovare una mediazione con la famiglia sull'immagine che la famiglia ha del ragazzo, perché a volte a scuola cerchiamo di in qualche modo contrastare l'immagine negativa che il ragazzo ha di sé perché si sente non competente. Il se sent qu'il n'est pas compétent et donc il a cette image négative de soi-même. Alors la famille aussi souvent a cette image fixée et ça n'aide pas à soutenir le garçon, l'enfant, l'adolescent à s'exposer au risque d'essayer à faire des choses nouvelles. Alors s'il vous est arrivé de parler avec les familles et chercher à traiter ensemble ce problème de l'image. Bien sûr, mais ça m'est parce que, alors voilà, typiquement le souvenir que je garde de ma propre scolarité. Là, vous êtes exactement dans le cas de figure de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. J'ai échoué à l'école. Comme j'avais peur d'échouer de nouveau, je ne faisais pas le devoir qu'on me demandait de faire. Je n'apprenais pas la leçon qu'on me demandait d'apprendre. Au moment de la réciter, cette leçon, ou de le rendre, il fallait que j'invente une excuse. Donc, j'inventais une excuse auquel le professeur croyait plus ou moins. Très bien. Donc, ça s'était passé très mal à l'école. Quelquefois, j'étais puni parce que le professeur n'avait pas cru l'excuse, etc. Bref, je m'étais mis dans une situation invivable à l'école. J'étais externe. Je rentrais chez moi. Première chose que me demandait ma mère, c'est « ça s'est bien passé à l'école ?» Réponse « oui, 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 très bien. Ne t'inquiète pas. » Deuxième mensonge important. Or, ces gens-là, mon père et ma mère, et le professeur et la professeure, allaient fatalement se rencontrer un jour ou l'autre.
Donc, toute mon énergie intellectuelle passait à essayer de rendre cohérents deux types de mensonges. Bien. Cette énergie intellectuelle, c'était réellement de l'énergie quantifiable. C'est-à-dire que ça me prenait du temps parce que c'était obsessionnel. Ce temps était pris sur quoi ? Il était pris sur le temps que j'aurais dû passer à faire mes devoirs. Or, je ne pouvais pas faire mes devoirs puisque j'étais persuadé que j'étais complètement idiot et que par conséquent, mes devoirs n'auraient aucun sens. Et plutôt que de développer un système de réflexion approprié aux devoirs de mathématiques, approprié aux devoirs d'anglais, approprié aux devoirs de français, je développais un système d'explication visant à rendre cohérent deux absurdités. Mais l'énergie était du même ordre. Ça aurait pu être une énergie mathématique. Ça aurait pu être une énergie linguistique. C'était simplement une énergie relationnelle, mais dans laquelle qui rassemblait, dans laquelle il y avait, comment dire, de l'intelligence. Alors, ayant vécu ça, je l'ai évidemment retrouvé chez mes élèves. Quand un élève me mentait, je savais qu'il mentirait aussi à l'école et à la famille. Et encore une fois, ne jamais considérer un mensonge d'élève sous l'angle moral. Jamais. Ça peut vous donner une satisfaction personnelle à vous. C'est un menteur. Moi, pas. Moi, je ne suis pas une menteuse. Je suis une professeure qui dit toujours la vérité dans toutes les circonstances. Mais mes élèves sont des menteurs. Où aboutit ce... Rien. À la mort du professeur. En revanche, allez convoquer les parents et leur dire, voilà, votre enfant a une image absolument négative de lui-même à cause de... tout ce qui s'est passé, le système de notes, il n'y est pas arrivé, etc., etc. Il va vous mentir. C'est inévitable. Il veut me ment à moi aussi. C'est... envisageons le problème sous un autre angle. Essayons de convertir cette énergie à autre chose, à une énergie dévolue au travail. Alors là, c'est ce qui est arrivé à faire avec moi, mais c'était il y a très, 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 très longtemps. En 1959, un professeur de français qui s'appelait Monsieur Prioult, qui était un vieux monsieur qu'on trouverait probablement aujourd'hui extrêmement réactionnaire, mais il a eu cette intelligence-là. Il était devant moi, un élève absolument menteur, qui ne faisait pas ses devoirs, qui n'apprenait pas ses leçons, qui toujours inventait des excuses idiotes ou géniales. Mais peu importe, on s'en fout, c'était des excuses. Donc ça n'avait rien à voir avec la scolarité. Et un jour, il a dit, bon, on arrête. J'apprécie beaucoup vos explications. Elles sont pleines d'imagination. Eh bien maintenant, vous allez utiliser votre imagination à m'écrire un roman. Je ne vous donne plus de devoirs. Je ne vous fais plus apprendre de leçons. Vous êtes privé du travail scolaire pendant tout le trimestre, mais en échange, je veux, sur ma table, toutes les semaines, un chapitre d'un roman. Ce type-là, ce jour-là, m'a sauvé de moi-même. Tout d'un coup, je me suis mis à écrire pour quelqu'un qui attendait ce que j'écrivais, qui n'avait aucune intention de l'évaluer, qui n'allait pas me mettre de notes, mais auquel j'allais raconter une histoire. Et il a ajouté, et s'il vous plaît, puisqu'il s'agit de littérature, ne m'encombrez pas avec des problèmes orthographiques. De ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 55 ans plus tard, j'ai un dictionnaire sur mon bureau. Voilà
typiquement comment une énergie destructrice, une énergie suicidaire, une énergie pédagogiquement suicidaire a été transformée par un professeur qui a tout simplement fait son métier. Il a fait son métier, pas plus, mais mieux que d'autres. Scusate se approfitto del mio ruolo, volevo intromettermi con una piccolissima domanda che si riaggancia a quello che Pennac ha detto ora. Parlando di insegnanti, lei ha detto l'insegnante che ha semplicemente fatto il suo dovere, a volte è difficile capire qual è il proprio dovere. Cosa si può fare per formare degli insegnanti? Cosa si può? Lei ha scritto in diario di scuola che c'è sempre qualcosa che non si è sperimentato nel tirocinio, nella formazione, ma c'è qualcosa che si può fare per rendere gli insegnanti, non dico migliori, ma più attrezzati a fare i buoni insegnanti? Vous savez, pour moi, quand j'entends cette question, il y a une ironie absolument incroyable de la vie, mais incroyable de la vie. Si lorsque j'étais un mauvais élève, c'est-à-dire que ça a duré de la 6e à la 20e année, si j'avais pu penser qu'un jour, quelqu'un me demanderait un conseil pour faire un bon enseignant, je n'y aurais jamais cru. Je crois que lorsque nous formons des étudiants, lorsque nous parlons du métier d'enseignant aux étudiants, nous nous trompons dans l'ordre des priorités. L'ordre des priorités que nous leur présentons est celui-ci. 1. La matière. Vous devez être excellent dans votre matière. Vous devez être intellectuellement irréprochable, c'est la priorité. 2. La transmission. Il s'agit de transmettre ce que vous savez à des élèves. Et troisièmement, nous leur parlons des élèves. Et inconsciemment, ce que l'idée que nous leur donnons, c'est qu'ils vont avoir à enseigner une matière qu'ils possèdent parfaitement à un ensemble d'enfants, d'élèves et d'étudiants qui en meurent d'envie, qui ont une envie folle de connaître cette matière. C'est évidemment faux. Les enfants n'ont pas envie d'apprendre. Tous les enfants n'ont pas envie d'apprendre. Tous les étudiants n'ont pas envie d'étudier. Tous les lycéens n'ont pas envie d'entrer dans une norme intellectuelle. Ce qui veut dire qu'il faut inverser, à mon avis, les rapports. La priorité absolue pour moi, c'est l'exacte connaissance de ce qu'est une classe. Qui sont ces enfants? Qui sont ces adolescents? Qu'est-ce que l'enfance? Qu'est-ce que l'adolescence? L'enfance, c'est le jeu. Un enfant normalement constitué a envie de jouer. L'adolescence, c'est d'une certaine façon le ressentiment. Les enfants vivent un temps, une durée qui relève de l'éternité. Un enfant qui joue, joue pour l'éternité. Il sait bien que dans un quart d'heure, il va falloir passer à table. Mais pour l'instant, il joue. Il est entièrement dans son éternité. Il pense, il ressent que ça ne finira jamais. Il joue. L'adolescent en colère, lui, il vit un autre type de durée qui est la perpétuité.
Il pense, et lui il ne dit pas que ça va durer toujours, il dit ça ne s'arrêtera jamais. Il est dans un état de perpétuité. Voilà en gros le rapport à peu près statistiquement général qu'entretiennent les enfants avec la durée et les adolescents avec la durée. L'enfant vit en éternité et l'adolescent en perpétuité. Et nous, les adultes, nous vivons une durée de continuité qui est, les adultes professeurs, divisée en France en 55 minutes. 55 minutes de cours avec ma troisième 2, 55 minutes de cours avec ma première, 55 minutes de cours, etc., etc. Et nous savons très bien que nous ne relevons ni de l'éternité, ni de la perpétuité. Eux ne le savent pas. Donc, un professeur doit, indépendamment de la constitution sociologique de sa classe, doit déjà savoir, un, que l'élève n'est pas forcément un affamé de savoir. L'élève n'a pas nécessairement envie de recevoir ce que je vais lui donner. Deux, que son rapport à la durée n'est pas le même que le mien et que par conséquent, il faut que je trouve un moyen de m'adapter à ces rapports de durée. Et enfin, la question sociologique. Alors chez nous, avec les immigrations successives, c'est évidemment plus complexe que chez vous, mais le problème existe aussi. Et la question de l'immigration et la question de la sociologie de la classe établit des niveaux de compréhension. Un enfant qui parle moins bien le français qu'un autre, etc., le niveau de compréhension n'est pas le même. Il faut que je le prenne en compte. Voilà ce que sera mon public. Et voilà la priorité absolue, puisque c'est à ce public-là que je vais parler. Le deuxième... Donc, nous avons dit que ce que nous apprenons ordinairement aux élèves, c'est l'excellence aux professeurs, c'est d'être excellent dans leur matière, ensuite de bien la transmettre, et ensuite de se préoccuper du public. Moi, je dis, la priorité, c'est la connaissance du public. Deuxièmement, c'est la maîtrise des moyens de transmission. Ce qui est évidemment le plus difficile dans le métier. Comment parler à 35 personnes, par exemple, en parlant à chacune de ces 35 personnes? Comment faire que Roberto, mon mauvais élève du coin à gauche, ait la sensation que c'est à lui que je parle, mais en même temps Andrea, mon meilleur élève à droite, ait également lui aussi la sensation que c'est à lui que je parle? Alors, est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on peut apprendre ça à des étudiants? Je crois que oui, mais on pourra en parler plus tard. Ensuite, il y a l'excellence de la matière. Je peux être absolument un excellent philosophe, je peux être un mathématicien irréprochable, je peux être un savant dans les sciences de la Terre, je peux, cette excellence est absolument indispensable, mais elle ne me sert à rien si les élèves qui sont en face de moi n'ont pas la sensation que la philosophie est plus qu'un savoir, que c'est aussi mon être, que les mathématiques sont plus qu'une connaissance, qu'elles sont aussi ma passion, une passion que j'ai réellement envie de transmettre. Le professeur habité. Très souvent, on dit qu'est-ce que c'est qu'un... par exemple, si vous vous souvenez, vous tous, des professeurs qui vous ont frappé, qui sont-ils les professeurs qui vous ont frappé? Ils étaient l'incarnation de la matière qu'ils enseignaient. En tout cas, les miens, c'était ça. Monsieur Baldenweg, mon professeur de mathématiques, était un mathématicien vivant. Il n'avait qu'une envie, c'était de nous faire vivre sa mathématique. Et il a fait de moi, à 17 ans, un jeune mathématicien. Nul, mais mathématicien. Pareil pour la philosophie, pareil. Donc, cette question d'incarner ce que nous enseignons. Or,
si je me souviens de mes autres professeurs, je les vois comme des gens qui se considéraient comme les propriétaires d'une matière qu'ils avaient enseignée à des élèves qui ne la méritaient pas, ou peu. Et mes excellents professeurs n'étaient pas des professeurs qui étaient propriétaires de leur matière. Ils étaient un morceau de philosophie, un morceau de mathématiques qui n'avaient qu'une envie, c'était de se répandre dans la classe auprès de tout le monde. Et ils le faisaient. Et ils y arrivaient. Et la qualité propre, qui leur était propre à chacun d'eux, c'est qu'ils n'étaient pas des chefs de régiment. Ils étaient des chefs d'orchestre. Et ils savaient qu'ils parlaient pour le premier violon, pour le petit triangle du bout, pour la grosse caisse qui est là, pour l'endormi qui est là, réveille-toi, s'il te plaît, etc. Et à chaque fois, ça commençait dans l'appel qu'ils faisaient en début de classe. Voilà. Pour tous ceux qui veulent être professeurs. Quand vous faites votre appel en début de classe, ne dites pas « Pedacchioni présent, Roberto présent, machin présent, machin présent ». Non. Nommez-les vraiment. Roberto, tu es là ? Je suis là, monsieur. Daniel, tu es là ? Je suis là, monsieur. Madame. Que pendant ces 35 secondes où vont durer cet appel, chaque élève ait la sensation pendant une seconde d'avoir existé en tant que lui-même sous l'œil du professeur qui l'appelait. Pas qui le nommait pour savoir s'il est là, qui l'appelait. C'est un appel. T'es là ? Je suis là. Bon, alors on va passer une heure ensemble. On ne sait pas tout ce qu'on dit, mais c'est ce qui est subliminal dans l'appel. Nous avons un devoir absolu d'incarnation. Nous devons nous incarner comme étant le produit de la matière que nous allons enseigner, et nous devons faire en sorte que nos élèves s'incarnent en étant le petit mathématicien pendant cette heure-ci, ou le petit grammairien pendant cette heure-ci. C'est ce qui suppose une présence qui n'est autre qu'une présence intellectuelle. C'est une présence psychologique intense. Et c'est, mes chers enfants, un métier épuisant. La présence psychologique intense qui consiste à faire que chacun d'entre vous se considère comme un élève particulier pour ce professeur particulier, cette présence-là, pour le professeur, est épuisante. C'est fatigant, mais c'est très gratifiant en même temps. Lei ha pubblicato il libro Diario di scuola da autore affermato. Mi domando se questo. Come? Mi domando che la motivazione, se era un progetto che lei aveva in testa già da prima, cosa l'ha portato a scrivere questa storia della sua infanzia? No, c'était pas... Posso dire un'altra domanda che mi ha parlato dell'insegnante, di quello l'insegnare, cioè ci ha spiegato, ci ha raccontato come lei insegna. E qualcuno di noi ha avuto la fortuna di trovare qualche insegnante così, ma il problema poi è il voto. Perlomeno la mia esperienza è che anche un insegnante così disponibile, così coinvolgente, così, poi arriva il voto, il bambino è bravo, ha fantasie, tanto perfetto, però non posso dargli, gli do il 6 politico, cioè un insulto, perché è un 6 così dato, senza, oppure un voto, oppure un 5, che perché non gli posso dare di più, perché fa gli errori ortografici, non ha memoria, non ripete per bene, ecco, questa è la seconda, grazie. Alors, ça fait deux questions en une. Je crois que c'est Obama qui disait en Italie, pourquoi vous posez toujours 15 questions en une ? Mais là, il n'y en a que deux. Diario di scuola, je l'ai écrit, je ne l'ai pas écrit pour parler de mon enfance, ni de mon expérience pédagogique. C'est un livre sur la peur. Je me suis dit, il faut que j'écrive un livre sur la peur en matière de pédagogie. Peur de l'enfant,
qui a peur de paraître bête s'il ne répond pas juste, peur des parents qui se disent « mon enfant ne deviendra pas ceci et cela », peur du professeur qui se dit « je ne suis pas un professeur puisque je n'arrive pas à faire progresser cet élève ». Voilà. Seulement, j'ai attendu que ma propre vie de professeur soit passée parce que je ne voulais pas être juge et partie en même temps. Je ne voulais pas que mes élèves sachent, par exemple, que j'ai été un mauvais élève. Ça ne les regardait pas, etc. Voilà pourquoi j'ai écrit Diario di Scuola. Et la deuxième question que j'ai oubliée, parce que ça c'est... Ah oui, la notation. Alors, quand j'ai commencé à enseigner, on faisait bien sûr des dictées, et comme j'avais des élèves sous surveillance judiciaire, des élèves qui avaient raté leurs études, etc., je disais, qui a toujours eu zéro en orthographe ? Roum, tout le monde levait le doigt. Il n'y avait que des zéros. Je dis, bon, très bien. Alors, ici, je dis, plus personne n'aura zéro. Quelqu'un aurait entendu ça de l'extérieur et aurait dit, ouh, démagogie, plus personne. Ce n'est pas de la démagogie. Ce qui se passe, c'est que dans le domaine de l'orthographe, par exemple, avant d'avoir fait la dictée, vous avez 20 en France. Vous ne faites pas la dictée, vous ne faites pas de faute. Donc, vous avez 20. Capital, 20. Et puis vous faites la dictée en soustrait. Évidemment, à l'arrivée, moi j'avais zéro. Quelquefois j'avais moins 15, moins 35, parce qu'il y a des salauds aussi qui notent négativement. Et alors il suffisait, ce que je disais aux élèves, je disais, mais on va, au départ tout le monde a zéro. Et puis on va corriger positivement. À chaque fois qu'il y aura un mot, un nom, un peu complexe, écrit, ça va nous rapporter un petit point. À chaque fois qu'il y aura un verbe bien accordé avec le sujet, ça va nous rapporter un petit point. À chaque fois qu'il y aura un adjectif possessif qui sera bien accordé, ça va nous rapporter un petit point. Et puis petit à petit, évidemment, personne n'avait zéro. Donc on allait de 0 à 20. Quel est l'inconvénient de cette notation ? Elle est plus longue. C'est du travail pour le professeur. C'est un travail embêtant, très embêtant. Mais ça marche, c'est mieux. Parce que, effectivement, plus personne n'a ce fameux zéro qui n'a aucun sens. Voilà, dans mon domaine à moi, la solution que j'avais trouvée. Dans d'autres domaines, par exemple, je faisais quelque chose de très, jugé par mes collègues, de très réactionnaire. Je faisais apprendre à mes élèves un texte par cœur, par semaine, récitable pendant toute l'année. Les textes étaient numérotés de 1 à 32. Et au mois de juin, je pouvais dire « Roberto, récite-moi le 14 ». Et Roberto devait se lever et réciter le 14. Mais il avait le droit aussi de me dire « Et vous, monsieur, le 5 ?» Alors là, je me mettais à réfléchir et j'étais obligé évidemment de réciter le 5. Il s'apercevait d'ailleurs à cette occasion que ma mémoire était beaucoup moins rapide. Ma mémoire de 40 ou de 50 ans était beaucoup moins rapide que leur mémoire de 14 ou 15 ans. Ces textes étaient notés. Mais très vite, comme les textes devenaient des sujets de... Alors pourquoi est-ce que je faisais cet exercice et comment est-ce que je leur demandais d'apprendre ? Je ne les envoyais pas seuls dans leur chambre en disant « apprends ce texte ». Non, 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 non. On les expliquait en classe. Et au fur et à mesure que le sens du texte entrait dans le néocortex de l'enfant en transitant, il le savait pendant l'explication même, l'explication de sens. Et à chaque fois, j'expliquais que leur cervelle était une bibliothèque et que voilà un petit livre de plus dans ta bibliothèque. Voilà ce petit... Et ne l'oublie pas, ne l'oubliez pas. Moi, je ne l'ai pas oublié, ne l'oubliez pas. Il va nous être très utile à un moment ou à un autre, mais on ne sait jamais à quel moment un livre nous est utile. Donc, gardez-le dans votre bibliothèque et ne l'oubliez pas.
Alors là, les récitations, c'était toujours la moyenne des bonnes notes. On s'en fout, c'est pas la question. L'important, c'était qu'ils n'oublient pas. Pourquoi ne devaient-ils pas l'oublier? Parce qu'à la fin de l'année, ils avaient le baccalauréat. Et au baccalauréat, on leur donnait une dissertation. Et dans cette dissertation, le sujet disait « Vous appuierez vos arguments d'un exemple tiré de votre culture personnelle. » Sauf que, culture personnelle, le jour du bac, pauvres enfants, évidemment, ils n'en avaient pas. Ils ne pouvaient absolument pas faire de citation à partir de choses qu'ils ne connaissaient pas. Mais avec ce système, ils allaient puiser dans la bibliothèque et sortaient les citations dont ils avaient besoin à ce moment-là. C'était donc purement pragmatique. C'était à la fois pragmatique et en effet maintenant, il m'arrive d'en rencontrer dans la rue des gens qui ont plus de 50 ans et qui on s'amuse à réciter les textes qu'on apprenait quand ils étaient enfants. Abbiamo tempo ancora per una due domande al massimo. J'ai deux petites questions. La première, dans votre livre Chagrin de Cole, il y a une merveilleuse métaphore, la métaphore des hirondelles qui vont frapper les murs et sont collectées puis faites voler à nouveau. Et de même, les élèves qui entrent en collision avec notre école sont recueillis à partir de l'amour des bons enseignants qui me permettront de les sauver. Mais je pense que ça est encore possible aujourd'hui devant la complexité de la situation du système scolaire et la crise de l'identité de la profession enseignante. Seconde, deuxième, mon français a des problèmes. Je vous en prie. Non, mais répondons d'abord à celle-là, s'il vous plaît, et ensuite à la deuxième. Ah, oui, okay. Vous savez, depuis que je suis... Moi, mon premier poste, c'était en 1969. Je nous ai toujours entendus, nous autres professeurs, toujours entendus, quand il s'agissait du thème de la responsabilité, d'extérioriser les causes. C'est pas nous, c'est le système. C'est pas nous, c'est la famille. C'est pas nous, ce sont les enfants qui lisent moins. C'est pas nous, c'est le niveau qui baisse. Ce n'est jamais nous. Et en réalité, pour être cohérent avec nous-mêmes, quand nous nous regardons le soir dans notre glace, notre responsabilité est entièrement engagée. Entièrement engagée. Parce que nous ne nous adressons pas à l'école, nous ne nous adressons pas aux élèves en général, nous ne nous adressons pas à des enfants à éduquer, nous nous adressons à ces 35-là, qui sont là, qui seront là demain, que j'ai eu aujourd'hui, que j'aurai... C'est ces 35-là. Je n'ai jamais considéré l'éducation nationale comme un ensemble. Jamais. Parce que c'est la meilleure façon de me dire « c'est pas ma faute ». Si celui-ci ne sait pas, il ne sait pas lire, il arrive dans ma classe, il ne sait pas lire. Il sort de ma classe 9 mois après, il ne sait pas lire, et je vais dire que ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas que de ma faute, mais en tout cas, si en 9 mois, je ne suis pas arrivé à lui faire faire le moindre progrès en lecture, en mathématiques, en anglais, etc., c'est pas ma faute. Mais qui suis-je? Je n'existe pas. Je suis un des rouages du système. Non, alors, et j'entends régulièrement, quand je suis avec des professeurs, oui, les nouveaux programmes, oui, le ministère, oui, c'est vrai que le ministère fait évoluer l'institution scolaire plus ou moins comme évolue la société marchande. Tout ça est vrai. N'empêche que si j'ai cet élève-là devant moi et qu'en 9 mois, il n'a pas fait 1 centimètre de progrès, c'est entièrement ma faute. Je ne peux pas évacuer ma responsabilité pédagogique. Ou alors, il faut que je change de métier. La
La deuxième question. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec cette affirmation, que l'on pourrait dire que certains de vos ouvrages, je pense à Comme un roman ou Chagrin de Cole, sont une profonde réflexion d'une part sur la philosophie de la lecture et d'autre côté sur l'éthique de l'écriture. Alors, pour répondre à cette question, il faudrait que je vous pose une question préalable. C'est quelle définition donnez-vous dans le cadre de cette question au mot philosophie ? Et vous me demandez de répondre à une question dont vous semblez avoir quelques difficultés à définir le terme central. Et c'est exactement la même chose pour l'éthique de l'écriture. Quelle définition dans ce domaine donnez-vous au terme éthique ? Qu'est-ce que l'éthique de l'écriture ? Et tant que je n'ai pas de définition précise de ces deux concepts dans cette circonstance particulière, je ne peux pas répondre. Si vous me demandez pourquoi j'écris, je peux répondre. Je ne sais qui disait. J'ai toujours dit, j'écris pour raison de santé. Voilà, ça va mieux après qu'avant. C'est pas tellement sûr. J'écris pour que mes amis m'aiment davantage, par exemple. Encore une question. Ou j'écris parce que, comme disait l'autre, je ne suis bon qu'à ça. Quant à la portée philosophique générale de mes textes, elle m'échappe absolument. Ils sont libres, ils sont partis par la fenêtre de la chambre. Vous savez, cette histoire de la chambre n'est pas une métaphore, c'est la vérité même. C'est-à-dire que ma femme et moi avons à la montagne une maison qui est orientée nord-sud et qui est toute seule sur un immense plateau. On est seul. Et au nord, il y a une petite fenêtre de notre chambre. C'est une ancienne ferme, c'est très long, ça fait 11 mètres. Et au sud, il y a une grande fenêtre. Et au mois de septembre, les hirondelles qui vont migrer passent comme ça. Et il y a des imbéciles qui passent par la chambre la fenêtre du nord et traverse la chambre. Et alors c'est très, très touchant à voir parce qu'elles sont là et dans les deux secondes que dure la traversée de la chambre, elles se disent « Ah merde, on ne devrait pas être là. Il y a quelque chose. » Et alors elles s'affolent à la sortie et comme la fenêtre du nord est ouverte comme ça, évidemment c'est fermé de ce côté-là. Et elles rentrent dans les vides. Poum, pof. Et alors on se lève, on les prend, on les met dans la main. Certaines sont mortes. Ah, on va les enterrer dans le jardin. Et d'autres sont juste... Alors on souffle. Et puis, elles partent. Et c'est vrai qu'avec les élèves, j'ai cette sensation, j'ai toujours eu cette sensation, qu'il y a, à partir d'une certaine habitude de l'échec, un comportement pédagogiquement suicidaire chez les enfants. Ça, je l'ai vu. Des enfants qui se tuent. Non pas physiquement, ils peuvent d'ailleurs se tuer physiquement, mais en tout cas ils se tuent institutionnellement pour l'école. Et j'ai senti ça parce qu'effectivement ça a été ma propre situation quand j'avais 12 ou 13 ans. Je me suicidais scolairement, c'était un suicide. Et donc quand le professeur se trouve devant cet élève-là, il faut pas qu'il l'enterre au fond du jardin. Mais notre... Oui, il faut pas l'enterrer, il faut essayer le... Se c'è un'ultima domanda... Sì. O chiudiamo... Sì. Okay. Si. Bonjour. 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 Oui. Bon, j'aimerais poser ma question en tant qu'étudiante, immigrée surtout. J'ai deux questions. J'en ai deux questions. La voix
voce un po' più alta, per favore. Sì, je disais, j'ai deux questions et j'aimerais la poser. Alors, commencez d'abord par la première, parce que sinon je vais oublier la deuxième. D'accord. La première est, en tant que amie, étudiante, puisque j'ai vu le rôle du professeur et un peu de la famille, tu vois, en tant que ami, comment puis-je aider un ami qui aussi est immigré, par exemple, qui a des difficultés au niveau d'études, à se reprendre, ouais. Le rôle que j'ai en tant qu'ami, comme technique, je peux avoir auprès d'un ami qui présente des difficultés, la première. C'est compliqué de vous répondre simplement si on ne connaît pas la nature de ces difficultés. Si ce sont des difficultés linguistiques, par exemple, parlez-moi de la nature de ces difficultés. Bon, pas des difficultés linguistiques, parce que la langue dans laquelle elle est étrangère, c'est vrai, mais il la comprend très bien, mais des difficultés affrontées par la peur de l'échec, justement. Mais vis-à-vis de qui, cette peur de l'échec ? Vis-à-vis des échecs passés. Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui est poursuivi par le sentiment d'avoir... De... Je ne sais, c'est délicat la question que vous me posez, parce que ma première réponse, c'est que quand j'avais 18 ans, 19 ans, j'étais dans cet état-là, l'état de me dire... Je commençais quand même à me sauver intellectuellement, mais j'avais ce passif énorme, très lourd d'échecs. Et puis, il se trouve que je suis tombé amoureux. Ou plutôt, et que la personne dont je suis tombé amoureux est tombée amoureuse de moi. C'est incroyable ce que ça a changé. Ça a absolument tout changé. Il y a eu, à partir du moment où il y a eu ce déclenchement de l'estime de l'autre, qui est un des ferments du sentiment amoureux, ça a multiplié ma force de travail par 10. Je n'ai jamais tant travaillé de ma vie que ces 5 années-là. Ça a duré 5 ans, mais c'était 5 années extraordinairement productives intellectuellement, simplement parce qu'une femme que j'estimais m'aimait, et m'aimait vraiment. Alors ça, vous voyez, on n'est pas dans le pédagogique là, on est en effet dans l'affectif qui joue un rôle énorme aussi. Vous me dites, c'est un ami qui, si cette relation est une relation amoureuse, l'amour va jouer son rôle dynamique. Si c'est une relation amicale, ça va le jouer aussi, parce que l'amitié de quelqu'un pour quelqu'un d'autre repose sur de l'estime, entre autres, hein, sur de l'estime. Et là où il y a de l'estime morale, il y a finalement aussi de l'estime intellectuelle. Dès que quelqu'un sent que je l'estime sur le plan éthique, justement, ou sur le plan affectif, il est assez facile, rien n'est facile, mais il est assez organique, je dirais, que ce sentiment d'estime se déplace vers le domaine des connaissances. Alors, il faut, dans le domaine intellectuel, au fond, il n'y a qu'une solution, c'est faire envie. Je sais que quand je lis des textes à voix haute à des élèves ou à des jeunes gens qui prétendent ne pas aimer lire, à la longue, ça leur fait envie. Ça leur fait envie. C'est donner envie. Mais on ne donne envie que par l'exemple. On ne donne pas envie par la prescription. Et la deuxième question, je la pose, bon, elle est pour moi. En tant qu'étudiante immigrée, bon, s'il y a des concepts, des techniques
Par exemple, je suis camerounaise, donc j'ai eu mon baccalauréat au Cameroun avec le système français, d'études françaises. Bon, et ici, c'est un peu différent. Et je voulais donc savoir s'il y a des techniques, parce que vu par exemple le niveau, la langue parfois, ou bien la façon d'étudier, et oui, la façon d'étudier ou le décalage que je peux parfois observer avec mes camarades. Alors là, là, pour le coup, je ne peux pas vous être d'une grande aide parce que je ne connais pas le système scolaire et le système universitaire italien. Et autre chose, je suis un très mauvais exemple parce que depuis 25 ans que je fréquente l'Italie, je n'ai pas même moi-même été fichu d'apprendre à parler correctement l'italien. En fait, il faudrait que je reste ici un ou deux ans. Pour parler vraiment. Donc je suis désolé, là je ne peux pas sur l'équivalence, je n'ai pas les renseignements qu'il me faut. In realtà saremmo... Vous vouliez Se la fa molto rapidamente l'ultima. Grazie. Un'altra grande paura dei ragazzi che hanno difficoltà a scuola è quella di perdere la stima dei compagni di classe, quindi dei pari del gruppo. E l'altra paura e se gli viene concesso qualcosa in virtù della loro difficoltà si sentono diversi, si sentono privilegiati ancora una volta, quindi rispetto al gruppo si sentono in difetto. Ho sempre pensato che l'atteggiamento del docente può ridurre fortemente questa paura, è d'accordo? Oui, un des problèmes auxquels se heurtent les professeurs en ce moment, les professeurs de votre génération, c'est le fait que certains des plus mauvais élèves font honte aux bons élèves d'être bons. Ils les trouvent comme... Mais là encore, notre métier est difficile, notre métier de professeur, parce qu'il consiste à créer avec une classe, une communauté d'intérêt intellectuel là où, au moment où on arrive, il n'y en a pas. Premier jour, quand j'entre dans ma classe, il n'y a pas de communauté d'intérêt intellectuel. Premier jour, quand j'entre dans ma classe, il y a 35 personnes qui se disent « Qui c'est celui-là ? Comment est-ce que... À quoi il ressemble ?» Qu'est-ce qu'on va... On est dans une attention assez a priori plutôt hostile à l'autre. Et le problème que vous posez, qui est le problème de l'estime par rapport au groupe en classe, ne peut être résolu que si le professeur, ou d'ailleurs deux ou trois élèves à personnalité forte dans la classe, réussissent à créer avec cette classe un groupe une communauté d'intérêt intellectuel. Voilà ma réponse. Siamo giunti alla conclusione perché purtroppo il pomeriggio è molto denso e quindi dobbiamo cercare di rispettare nei limiti del possibile il nostro programma. Ringraziamo moltissimo Daniel Pennac per la sua testimonianza, per i suoi spunti, suggerimenti. Grazie. Vorrei... Merci, merci à vous tous. Direi che pur non essendo un esperto di DSA, ci ha insegnato molto oggi pomeriggio. Bene, grazie.